Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouvel épisode en attendant les Anneaux de Pouvoir. Dans ces vidéos, nous regardons les passages issus des textes de Tolkien cités comme inspiration par les showrunners de la série. Ils utilisent principalement les appendices du Retour du Roi et c'est à nouveau un extrait issu de ces appendices que nous allons regarder aujourd'hui. Après avoir vu en détail le monde des hommes, en particulier Numénor, nous retournons maintenant au cœur de la Terre du Milieu, dans les profondeurs des montagnes, dans la glorieuse cité naine de Khazad-dûm. Dans un passage nommé « Le peuple de Durin », Tolkien nous donne quelques informations sur les nains, en particulier ceux vivant à Khazad-dûm, aussi nommés Moria. Cet extrait est particulièrement spoilant pour la série Les Anneaux de Pouvoir, car il informe sans confusion possible sur le déroulé de certains événements et leurs conclusions. Donc, continuez cette vidéo à vos risques et périls. Ce passage est plutôt court mais étrangement informatif. Le voici. À la fin du premier âge, la puissance et la richesse de Khazad-dûm s'accrurent de manière considérable, car le royaume bénéficia de la connaissance et du savoir-faire de nombreux gens quand disparurent, dans la ruine du Thangorodrim, les antiques cités de Norgrod et de Belégost, au cœur des montagnes bleues. La puissance de la Moria se perpétua à travers les années sombres et sous la domination de Sauron, car bien que les régions fussent dévastées et les portes de la Moria refermées, les salles de Khazad-dûm étaient trop profondes et trop fortes, leur peuple si nombreux et d'une telle hardiesse que Sauron ne pouvait les conquérir de l'extérieur. Ainsi, ces richesses demeurèrent longtemps inviolées, bien que sa population fût alors en déclin. Il advint qu'au milieu du troisième âge, Durin, sixième du nom, y fut de nouveau roi. Le pouvoir de Sauron, serviteur de Morgoth, était alors en recrudescence, encore que l'ombre dans la forêt qui faisait face à la Moria ne fut pas, pour lors, comprise pour ce qu'elle était. Toute chose mauvaise se remuait. Les nains creusaient profondément à cette époque, forant sous le Barazimbar, en quête de Mithril. Ce métal sans prix qui devenait chaque année plus difficile à obtenir. Ainsi, ils réveillèrent une chose terrible, qui, ayant fui le Thangorodrim, était restée cachée aux fondations de la Terre depuis la venue de l'armée de l'Ouest. Un Balrog de Morgoth. Il tua Durin, et l'année suivante son fils, Nain Ier. Puis, la gloire de la Moria s'évanouit, et ses habitants furent décimés, ou bien s'enfuirent. Khazad-dûm, ou la Moria, un monde qu'on ne connaît pour l'instant qu'en ruine dans Le Seigneur des Anneaux, et qu'on va enfin découvrir dans toute sa splendeur dans la série. Ce passage nous donne une idée de la trajectoire de ce royaume pendant le deuxième et troisième âge. Comme toujours chez Tolkien, on a plus d'informations sur le troisième âge que le deuxième, mais nous apprenons tout de même quelques détails importants. La richesse et puissance de Khazad-dûm grandit fortement au début du deuxième âge, grâce aux connaissances des générations précédentes. Et même quand Sauron régna sur une grande partie de la Terre du Milieu, il ne fut pas capable de déloger les nains de la Moria. Au début de l'âge, les nains étaient très nombreux, mais la population déclina peu à peu. On apprend aussi qu'au troisième âge, les nains creusaient loin pour essayer de trouver du mithril. Ce métal était connu pour sa dureté, légèreté et résistance, c'est l'un des éléments qui a fait la richesse des nains de Khazad-dûm. Au point où ils creusèrent probablement trop loin pour en trouver et qu'ils finirent par dénicher un Balrog, ce qui n'est jamais une bonne idée, demandez à Gandalf ou à Glorfindel. Le mithril risque d'avoir un rôle assez important dans la série, car en plus d'être la clé de la richesse de ce royaume, il va être utilisé pour forger des anneaux de pouvoir. Le tout début de cet extrait mentionne les antiques cités de Norgrod et de Belégost qui disparurent dans la ruine du Thangorodrim. Ce sont des références à des lieux et des événements du premier âge. Il est fort possible qu'ils soient cités pendant la série si le conflit entre les nains et les elfes est mentionné, ou évidemment la lutte contre Morgoth, le boss de Sauron. Je trouve assez rassurant de savoir que les scénaristes de la série ont accès au moins aux noms et références de ces morceaux importants de l'histoire des nains. Ça permettra de les ancrer dans l'histoire de la Terre du Milieu de façon plus concrète. Enfin, cet extrait nous donne pas mal d'informations sur Sauron pendant le deuxième âge. Il mentionne notamment les années sombres sous sa domination après que les régions fussent dévastées et les portes de la Moria refermées. Ces deux événements se passent au milieu du deuxième âge environ, et nous allons probablement les voir dans la série. L'Eregion est une région où vivent de nombreux elfes, notamment un certain Celebrimbor. L'invasion et la destruction par Sauron et ses orques de cette région est un moment marquant de l'époque, qui aura des conséquences inoubliables.
Et comme on le lit ici, les portes de la Moria se sont alors fermées, mais le royaume des nains ne fut jamais envahi. Je pense que ça souligne la puissance de Sauron de pouvoir ravager les régions et dominer une bonne partie de la Terre du Milieu, mais aussi la résistance sans faille des nains. La seule chose au final qui a pu détruire ce royaume fut le propre désespoir de ce peuple à trouver du mithril, creusant bien au-delà de ce qu'ils auraient dû. Khazad-dûm et ses habitants sont définitivement l'une des choses que j'attends de voir le plus dans les Anneaux de Pouvoir. J'espère que cette petite introduction à ce royaume vous a intéressé. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt sur Univers Fantasy.